avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invitée cette semaine est la sénatrice Françoise Poinet qui vient de publier son autobiographie intitulée « Itinéraire d'une débrouillarde devenue milliardaire » parue aux éditions Éclosion. Ouvrage inédit pour au moins une raison. Ce n'est pas tous les jours que les personnes fortunées se livrent au public à travers un livre qui plus est une femme. Mami Nyanga, comme on l'appelle affectueusement, comme à son habitude bien sûr, casse les codes en clamant haut et fort qu'elle est milliardaire. Entreprise ô combien audacieuse dans une société où l'on enseigne que l'argent ne fait pas de bruit. Une loi non écrite, une espèce d'omerta derrière laquelle nos fortunes et nos réussites sociales sont claquemurées, laissant les jeunes, la nature ayant horreur du vide, aux mains de faux dieux et de toutes sortes d'imposteurs. « Je suis milliardaire », clame Françoise Poinet. N'y voyez point l'expression d'une forme de fanfaronnade, mais plutôt une façon généreuse de partager son parcours d'enfant, de femme et son expérience de chef d'entreprise dans l'espoir de motiver les jeunes, de susciter chez eux l'émulation et l'envie de réussir. Comment passe-t-on de débrouillarde à milliardaire? Quelle est la formule de Françoise Poinet? Nous lui poserons ces questions et d'autres. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Françoise Poinet, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci infiniment de nous recevoir pour cet entretien. Depuis quelque temps, vous êtes sénatrice. Est-ce que c'était vraiment important pour vous d'avoir cette fonction politique sénatrice? Et je rappelle que vous avez été élue. Merci beaucoup Jean-Bruno. Je vais commencer par saluer donc nos téléspectateurs. Je pense que c'était important pour moi. Vous savez, j'étais déjà candidate en 2018. Oui. Et j'ai été recalée. Je suis revenue en 2023. Et ça s'est bien passé. Mais même si en 2023, je n'avais pas été investie, je devais revenir en 2028. Oui. Parce que je voyais cette chambre qui était si loin, pour moi aujourd'hui, qui est si proche. Et je voudrais me rapprocher de cette chambre parce que j'avais le désir de servir. Parce que vous savez, je suis dans cette chambre-là à l'image d'un servant. Un servant ne lutte pas. Celui qui veut servir, fait tout pour servir et bien servir. Mmh.
Et quand vous avez un bon servant à la maison, vous avez toujours besoin, vous avez toujours envie de l'appeler. Donc, j'avais tellement cette envie pour aller servir les Camerounais dans cette chambre. Parce que je pensais que cette chambre a besoin plus que jamais des femmes comme moi. Et c'est pour cette raison que j'ai mis tout en œuvre pour rentrer dans cette chambre. Malgré les difficultés, malgré les embûches que j'ai rencontrées. Parce que même pour entrer dans cette chambre, ça n'a pas été évident pour moi. Oui. J'ai dû faire les mains et les pieds. Parce qu'aujourd'hui, on parle de zéro à milliardaire. Mais si demain, je pouvais faire un autre ouvrage de zéro à sénateur, ce serait tellement émouvant. Oui. Pour raconter un peu votre aventure sur le chemin de la chambre haute. Ça n'a pas été facile pour moi. Oui. Donc, ce chemin vers la chambre haute, c'est un chemin qui a été très difficile pour moi. Oui. Moi, je suis arrivée à Bafoussam le dimanche qui précédait le lundi, des limites de là de dépôt de dossier. Je pouvais tout attendre, sauf me préparer à faire une liste concurrentielle. Parce que quand je vais à Bafoussam, je vais simplement pour rencontrer celui qui était tête de liste et lui remettre mon dossier. Je ne vais pas là-bas pour faire un dossier. Mais grande a été ma surprise que j'arrive à Bafoussam. On dit que non, il y a eu un consensus dans ma circonscription, qui est le Honkan, et que je n'ai pas été désignée, c'est quelqu'un d'autre. Je dis, mais quel consensus dans mon département? Parce que si on devrait... Un consensus auquel vous n'avez pas participé. Je n'ai pas participé. Oui. Et j'ai dit, mais si on devrait, au jour d'aujourd'hui, donner des grades, des galons aux militants du RDPC, moi, je serais général de l'armée du RDPC. Parce que j'ai été au comité de base comme présidente. J'ai été à la sous-section comme présidente. J'ai été à la section, c'est-à-dire au sommet du RDPC, jusqu'en 2015. Et je suis un ancien conseiller municipal. Et je suis l'une des élites les plus influentes de mon département. C'est-à-dire que vous avez fait toutes vos classes au RDPC. Oui. Donc, on ne peut pas me parler aujourd'hui d'un consensus dans le département du Honkan sans que je sois informée. Je dis, monsieur, s'il en est le cas, je vais faire ma liste. Et c'est comme ça que je m'engage contre vents et marées, même menaçant de tout bloquer à la région de l'Ouest, pour constituer ma liste. Et j'ai constitué cette liste en moins de 24 heures. Je suis rentrée à la permanente du parti du RDPC le dimanche à 14 heures. Je suis ressortie le lundi à 15 heures. Oui. J'étais obligée de mettre mon QG sur place. J'étais obligée de chercher donc les camarades et de les fédérer. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller chercher les gens. Il faut les fédérer. Parce que quand quelqu'un vient rentrer dans votre liste, il risque même sa carrière politique. Donc, j'ai réussi ce pari, la fédérer. Et il remplit le critère de la circulaire du chef de l'État. Il faut les femmes, il faut les jeunes, il faut les minoritaires. J'ai réussi ce pari vers 1h du matin à recruter les militants. Je parle de cela comme c'est la pédagogie politique. Parce que je voudrais que d'autres camarades s'inspirent de cette expérience. Oui. Et je suis restée donc, j'ai recruté et mettre sur pied mon secrétariat permanent à la permanente du parti. J'ai recruté 14 jeunes. Le matin, j'ai envoyé 2 jeunes à Foumban, 2 jeunes à Bangante, 2 jeunes à Tchang, 2 jeunes à Mbouda, 2 jeunes dans le Baboutous, 2 jeunes dans les Hauts-Plateaux, pour aller faire les dossiers, compléter tous les dossiers administratifs. Et il fallait téléphoner à tous les procureurs, les présidents des circonscriptions, les maires, etc., pour faire les pièces administratives, pour rendre le dossier à jour. Je l'ai fait, parce que j'étais déterminée, contre vents et marées, arriver dans cette chambre, qui est donc les derniers instants des décisions de la République du Cameroun. Alors, parce que j'allais là-bas, pas pour me servir. Parce qu'aujourd'hui, si je partirais de ce monde, je laisserais les immeubles,
même des meubles, et même un peu d'argent à la banque. Mais ce n'est pas ce que je veux laisser à la prospérité. Vous voulez laisser quoi? Je veux laisser à la prospérité. À la postérité, une autre, à la postérité, oui. Une autre façon de voir le rêve, de croire que le travail peut payer. Oui. Parce que je suis aussi sénateur, parce que j'ai combattu. Oui, alors vous venez de nous raconter. J'ai combattu, oui. Que je suis devenu sénateur. Oui. Et le président de la République a bien voulu m'investir. Parce que malgré cela... Le président national du RDPC en l'occurrence. Oui. Le président national du RDPC, il restait son onction. Mais je crois que lui-même, étant le fin politicien, le Camerounais le plus renseigné, a dû bien être informé qu'à Bafoussam, cette dame a même passé la nuit à la permanence du parti. Et je pense que dans son esprit d'équité et de justice, il a d'ailleurs fait que, au final, la liste que je conduisais, il a pu extraire 7 personnes, à savoir 3 sénateurs titulaires et 4 suppléants, dont je crois que c'est un mur de Berlin que j'ai brisé à la région de l'Ouest. Alors, c'est donc, vous avez, comme vous venez de l'expliquer, bataillé pour devenir sénatrice. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a... Je préfère sénateur. Oui, sénateur. Oui. Ce n'est pas pour péjorativer les femmes, oui. Mais oui. C'est simplement parce que même à l'hémicycle, on dit « Mesdames et messieurs les sénateurs », c'est un peu de sémantique. Très bien, d'accord. Alors, on voit bien que vous avez bataillé pour être dans ce Sénat-là. Et de plus en plus, des hommes et femmes d'affaires entre en politique, cherche des mandats électifs. À quoi cela est-il dû? On a l'impression que vous autres nourrissez une forme de complexe envers les hommes politiques et les fonctionnaires. C'est ça qui vous amène à aller chercher des mandats électifs? Je ne crois pas en ce qui me concerne. Oui. Moi, je ne vais pas parler pour les autres. Oui. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, si on parlait de la visibilité, je suis à plus de 240 millions de vues, c'est-à-dire 7 fois le Cameroun, 7 à 6 fois le Cameroun. Donc moi, je ne vais pas là-bas pour me faire voir. Je ne vais pas là-bas pour me cacher derrière un mur. Moi, je vais là-bas pour servir, comme je l'ai dit. Oui, mais sauf à que... la fin, maintenant, si on regarde même le coefficient, oui. Parce que là aussi, il s'agit même de coefficient. Si on regarderait même le coefficient des hommes d'affaires aujourd'hui qui siègent dans cette chambre, on n'atteint pas 10%. On n'est pas 10%. Donc, je ne vois pas en quoi cela impacterait si fortement cette chambre. Parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres se disent, mais c'est devenu la chambre des hommes d'affaires. Ce n'est pas vrai. Ça aussi, c'est faux. Oui. Parce qu'on n'atteint pas 10% du quota du Sénat. Oui. Alors, donc, vous êtes femme d'affaires. On ne le dira jamais assez. Vous venez, donc publier, oui, vous venez donc de publier votre autobiographie intitulée « Itinéraire d'une débrouillarde devenue milliardaire » aux éditions Éclosion. Un ouvrage dans lequel vous parlez de votre parcours. Nous reviendrons, bien de sûr. Ma vie. Voilà, nous reviendrons sur votre parcours, sur votre vie et tout. Mais votre livre, il est assez inédit quand même. Parce que ce n'est pas tous les jours que les personnes de votre milieu des affaires publient des ouvrages pour parler d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce livre? Jean-Bruno, je sors toujours d'ordinaire. Je ne suis pas très conforme. Et vous savez, beaucoup de personnes qui arrivent au niveau où je suis, vous savez, les gens n'aiment pas revoir ceux qui les avaient vus nus. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, quand par exemple vous avez été dans la misère, vous avez eu certains contacts, les gens n'aiment pas parler du passé en fait. Oui. C'est ça que je veux dire. Quand mais vous en parlez dans votre livre. Hein? Oui, quand je vais dire nu, je ne vais pas dire nu dans le sens je du comprends, terme. Je comprends, oui. Mais je veux dire nu, c'est-à-dire les personnes qui réussissent ne veulent pas qu'on parle de leur passé, ils ne veulent pas en entendre parler. Moi, je pense que c'est tellement important parce que c'est ça qui construit le rêve. Chez les autres qui n'ont pas encore réussi. Parce que la vie est faite essentiellement de rêves. Oui. De rêves. Donc, c'est cette détermination-là. Parce que moi, aujourd'hui, ils peuvent avoir pour parents cet ouvrage. Mais moi, j'ai eu pour père le travail. J'ai eu pour mère la détermination. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit le professeur
Ebenezer Ndjomwele, oui. qui a dit... Mais lors de la présentation de votre livre. Quand je parcours cet ouvrage, je vois que cette femme, c'est la lutte toute sa vie. Moi, je combats, je lutte toute ma vie. C'est la lutte. Oui. Moi, je lutte. Comment expliquez-vous... Je laisse ça faire. Oui. Donc, je voudrais dire que, Monsieur Jean Bruno, avec votre permission, oui. je voudrais dire que cet ouvrage-là, vraiment, je l'ai fait plus tôt. Parce que, normalement, une autobiographie, c'est jamais avant la soixantaine. Mmh. Mais je l'ai fait plus tôt parce que c'est urgent. C'est maintenant plus que jamais. Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est de faire comprendre aux jeunes que c'est possible. Par le travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes pensent que plus que jamais, le Eldorado, c'est la fonction publique. Les gens pensent qu'il faut rentrer absolument dans les arrangements, le tribalisme, le nombrisme, tout genre de verbes haineux qui minent aujourd'hui notre société. Les jeunes pensent que sans ça, on ne peut pas réussir. Mmh. Et c'est pour ça que c'est urgent de faire donc comprendre aux jeunes que c'est possible. Vous pouvez partir des zéros et vous hisser le plus haut possible, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan des affaires. Mmh. C'est ça que j'essaie d'expliquer d'ailleurs dans cet ouvrage. Dans votre ouvrage. Parce que vous savez, dans la vie, il y a 5 temps essentiels de la vie. Vous avez la voix, vous avez l'art, vous avez la foi, le pouvoir et le savoir. Mmh. Aujourd'hui, les jeunes ne savent même pas où ils se trouvent. Ils ne savent pas que faire. Donc cet ouvrage-là va suffisamment les guider. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'héritage que je laisse à la jeunesse camerounaise en particulier, mmh. à la jeunesse africaine, de croire que c'est possible. Oui. Alors, on est sorti de l'esclavage de la chaîne. Mmh. Et on est entré tout de suite, depuis quelques décennies, dans l'esclavage intellectuel. Qui est plus long et qui va être plus dur. Oui. Eh bien, si les jeunes et les Africains s'expriment de cet ouvrage, je pense qu'on pourra retrouver le déclic pour construire un Cameroun plus solide, plus dynamique, où les jeunes et les femmes auront leur place de choix. Oui. Alors, comment vous expliquez que beaucoup d'autres hommes d'affaires n'acceptent pas de se livrer? Il y en a très peu qu'on connaît. Est-ce que vous y voyez une forme de lâcheté, ou alors c'est parce que les parcours ou alors les fortunes ne sont pas souvent très traçables et on évite d'ouvrir la boîte de Pandore en parlant de soi? Plusieurs raisons. Oui. Vous-même, vous l'avez si bien dit, plusieurs raisons. Oui. Des parcours qu'on ne peut pas tracer. Des gens qui sont rentrés dans certains arrangements à un certain moment donné de la vie, au moment où si publier un ouvrage comme ça, on va dire, mais attention, il y a tel aspect que vous avez négligé, qui devait être... Donc, je pense qu'il y a tout ça. Oui. Et je pense aussi que, comme je l'ai dit à l'entame, hein, beaucoup de personnes n'aiment pas revoir les gens qui les avaient vus. Oui, oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de dire, moi, d'assumer un passé difficile. Voilà, d'assumer un passé difficile. Oh, moi, je dormais chez tel. Oui. Oh, j'étais ménagère chez tel. Les gens n'ont pas ce courage. Oui. Pourtant, c'est ça qui peut aider les autres à croire que c'est possible. Oui. Alors, ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'égoïsme quand même, Françoise Poinet? Parce qu'ailleurs, quand on a vu Steve Jobs, quand il a su qu'il était atteint d'un cancer pratiquement en phase terminale, il a commencé à faire le tour des universités pour discuter avec des jeunes. On voit également beaucoup d'hommes d'affaires mais à travers monsieur, le monde qui donnent Jean, des conférences dans des universités. Jean-Bruno, mais ici, les nôtres, ils ne le font pas. Pourquoi? Depuis quelques années maintenant, je suis quand même invitée dans les universités ici au Cameroun. Mais c'est les bien. Universités comme la Harvard, oui. ils ont seulement besoin des personnes comme moi. Oui. Mais oui, l'expérience. Mais justement, on ne le voit pas assez. Votre expérience est assez inédite, mais les autres ne le font pas. Parce que certains se renferment même dans leur vocabulaire parce qu'ils se disent, mais est-ce que je vais mieux parler français? Ils ont peur. Oui. Ils n'ont pas réussi à vaincre la peur. Pour se dire, est-ce que je vais même mieux m'exprimer? Ils peuvent même s'exprimer en leur langue naturelle, on fait la traduction, on s'en fout. Le plus important, c'est de faire transmettre donc, cette connaissance-là, cette expérience-là, qui est capitale, qui est primordiale pour la jeunesse aujourd'hui, pas seulement africaine. Oui. Moi, je sors fraîchement de Paris pour former le personnel du Google.
en leadership. Parce que le patron de Google voudrait que d'ici à 2025, que les hauts responsables de Google soient tous des grands leaders. Et non, mais ils ont besoin de quelqu'un comme moi pour leur parler de leadership. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Alors, entrons maintenant. Quels sont les mécanismes pour devenir leader? On va entrer dans votre livre, on va évacuer quelques questions qui sont périphériques. Depuis que votre livre est sorti, il y a eu beaucoup de commentaires. Quelqu'un m'a, par exemple, interpellé pour me dire Jean-Bruno, parti de débrouillard pour devenir milliardaire. Est-ce que c'est possible? C'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai suivi Viviane Ondoa-Buwele. Le femme-là de cette femme-là est trop fort quand même. J'ai suivi Viviane Ondoa-Buwele qui a vraiment décortiqué ce livre-là. Oui. Que je tiens à saluer une fois de plus. Hein. Et en fait, parce que comme je le dis dans ce livre-là, vous savez, l'échec est toujours orphelin et le succès a toujours des parents. Parce que dans la société africaine, on ne réussit pas pour rien. On vous colle toujours une étiquette. Ou c'est le femme-là, ou c'est la sorcellerie, ou c'est les sectes, ou c'est... Mais on ne met jamais le travail en avant. C'est dommage. C'est dommage. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je mets le travail en avant. Parce que je n'ai réussi pas le travail. Vous allez suivre tous les critiques dans cet ouvrage, mais personne ne va vous appeler pour dire dans tel aspect, Mamie Nyanga a menti. Oui. Allons-y maintenant sur le parcours. Allons-y maintenant sur le parcours. Vous êtes donc né à Banka, dans l'ouest du Cameroun. Et on peut dire quand même que vous revenez de loin, de très loin même. Je n'ai pas beaucoup parlé de repli identitaire. Oui. Parce que ça, c'est aussi un problème. Parce qu'on parle aujourd'hui des problèmes haineux, etc. Je préfère dire que je suis du Cameroun. Oui. Non, mais je parle de là où vous êtes né. Vous avez fait vos premiers pas, effectivement, à Banka. Et je disais, vous venez de loin, de très loin même, parce que vous étiez issu d'une famille. J'allais même pratiquement à l'école, nu-pied, parce que je n'avais pas de chaussures. Effectivement, vous êtes issu d'une famille très pauvre. À midi, nous mangeons les juste le temps de poser la question. Oui, on va y arriver, Mamie Nyanga, juste pour poser la question. Donc, vous êtes issu d'une famille très pauvre. Votre papa, polygame, deux femmes, 15 enfants. Et votre propre mère, 8 enfants. Le quotidien ne devait pas être facile. Hein. Comment ça peut être facile? Puisque notre papa a été à peine... C'était un catéchiste et puis conduisait le camion de la mairie. Oui. Je crois qu'il gagnait à peine 20 000 francs CFA par mois. Pour 15 enfants. Pour plus de 15 enfants parce que ma mère venait de Fondiomonkouette. Oui. Donc, de la chefferie Fondiomonkouette, dans une famille très nombreuse. Donc, ma mère avait au moins en permanence 7 personnes qui venaient de Fondiomonkouette pour vivre dans la maison. Et s'ajoutaient aux 8. Et s'ajoutaient aux 8. Ouais. Donc, on était vraiment nombreux. Mais aujourd'hui, vous savez, Jean-Bruno Tani, les gens pensent que l'argent fait le bonheur. Ce n'est pas vrai. Non, ça fait. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Ou les gens pensent même que l'argent peut tout faire. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Ce que je suis en train de faire avec vous, là, l'argent ne peut pas faire ça. Si cette maison était remplie aujourd'hui de piles d'argent, comme j'en vois ailleurs, des gens qui volent, ils chargent un camion, ils ne peuvent rien faire avec. Ce qui est important dans la vie, M. Jean-Bruno Tani, c'est le capital humain. C'est pour ça que je m'investis là-dedans. Parce que ça dépasse l'argent. Oui. Ça dépasse tout. Le capital humain. Alors, vos premiers pas à l'école sont très difficiles parce que vous êtes une fille et à cette époque-là, vous dites quelque chose que je trouve extrêmement violent dans votre livre. Je vais vous citer. Il semble qu'il y ait un proverbe chez vous qui dit « Celui qui accorde un intérêt à l'éducation d'une fille ressemble à un arroseur qui arrose le champ de patates du voisin ou alors un arroseur qui arrose une plante infertile. » Oui. C'est violent, ça. Oui, parce qu'on pensait autrefois, même maintenant encore. Oui. Même maintenant encore, parce que quand vous avez deux enfants à la maison, une fille et un garçon, on a tendance à croire que c'est le garçon qui va demain porter la famille. On ne pense pas que la fille peut demain porter la famille. C'est même maintenant, c'est la même chose. Et c'est même le vrai problème aujourd'hui que nous avons dans la société, en ce qui concerne le genre, en ce qui concerne la femme. Parce que quand vous avez deux enfants à la maison, une fille et un garçon, la mère même, elle considère le garçon. Parce qu'elle pense que c'est le garçon qui va hériter. Et c'est pour ça que quand je parle dans ce livre, vous verrez aussi dans certains passages où je dis que les femmes n'ont pas accès au financement. Elles n'ont pas accès au financement. Pourquoi? Parce on ne leur fait pas confiance. Non,
Parce que depuis les cellules familiales, elles sont exclues. Parce que quand les parents décèdent, le garçon, quand on partage la fortune, on considère qu'elle est partie. Mmh. Et elle va aussi là-bas, son mari considère qu'elle n'est pas de sa famille. Mmh. C'est un problème très sérieux. Ouais. C'est pour ça qu'il faut créer l'équilibre depuis les cellules familiales. Parce que quand on demande l'équilibre dans la société, il faut construire cet équilibre-là depuis les cellules familiales. À partir de la cellule familiale. Quand vous avez deux enfants, donnez la responsabilité à vos deux enfants, filles et garçons. Et comme ça, quand on va partager l'héritage, la fille aura sa part d'héritage. Parce que imaginez aujourd'hui, moi je ne suis pas mariée, mais imaginez aujourd'hui, Mami Nyanga qui veut se marier. Mais les hommes vont venir en conteneur. Pourquoi ils vont venir en conteneur? Parce qu'ils savent que Mami Nyanga est fortunée. Peut-être d'autres viendront pour ma beauté, mais la plupart viendront parce qu'ils vont chercher la fortune de Mami Nyanga. Imaginez-vous donc que quand vous décédez et qu'on partage les biens et que votre fille a sa quote-part avant d'aller en mariage, mais son mari même va la respecter parce qu'elle n'est pas venue les mains vides. Oui. Donc, c'est toujours important. À 15 ans, vous êtes arrachée de votre adolescence et offerte en mariage au chef Bana, au chef Bana. Et ça commence à être un peu difficile pour vous pour le début, mais à un moment donné, vous avez la chance d'avoir de très bons rapports avec l'une des femmes du chef, votre coépouse, il faut dire, qui vous prend sous son aile, vous aide à tenir pour les débuts de votre union avec le chef. Non, ce n'est pas difficile. Mmh. C'est que quand vous arrivez à la chefferie, oui, on vous confie à une femme, une de vos coépouses, oui, plus âgée, qui est comme votre maman. C'est elle qui vous encadre, c'est elle qui vous explique comment ça va se passer avec votre mari. C'est elle qui vous donne un peu le code de la chefferie. Tout à fait. Donc, c'est votre maman. Oui. Ce n'est pas que j'ai rencontré. Oui. Et c'est celle-là qui... directement, oui, vous allez chez elle. C'est elle qui va vous mouler, c'est elle qui va vous parler de la chefferie, des codes de la chefferie, les difficultés de la chefferie, les bienfaits de la chefferie. C'est elle. En fait, vous entrez en formation, en initiation chez elle. Jusqu'au jour où on va vous transférer donc, au chez le roi. Oui. Oui. Alors, et donc, vous passez du temps avec le roi. Et quand on lit votre livre, Françoise Pénet, on se rend compte qu'à un moment donné, vous en devenez amoureuse. Non, je deviens amoureuse quand le roi me renvoie chez mes parents. Oui. Parce que quand je suis là, je me prends un peu la tête parce que le roi me faisant tellement confiance. Oui. J'étais... vous étiez sa préférée. J'étais sa préférée. Oui. J'avais même à ma maison une cuisinière de marque Indésil. J'avais même une radio cassette. Le privilège que les autres épouses n'avaient pas. Et en plus, il vous a doté alors que ce n'était pas... Le chef ne dote pas. Il ne dote pas. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire, même à nos jours. On n'a jamais revu ça dans notre contrée. Mm-hmm. Un chef qui va doter une femme à 500 000 francs CFA. On n'a jamais vu ça. Oui. Et puis, quand il me répudia, c'est donc là où je tombe dans amoureux. Oui. Parce que quand il me répudie chez mes parents... Avec deux enfants. Avec deux enfants. Mais vous savez, la pauvreté rend amoureux. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais pauvre ou si c'était parce que j'étais rentrée chez mes parents et j'étais en manque. Je ne peux vraiment pas me situer. Mmh. Mais j'étais vraiment tombée amoureuse du roi. Oui. Effectivement, la reine que vous étiez retombe un peu de son trône. Vous retournez dans votre famille chez mes parents, avec deux enfants avec et deux vous avez enfants, à peine 20 ans. Je ne suis même pas à même d'acheter le savon, le sambolo qui coûte 25 francs. Donc, du coup, à la chefferie, le matin, il y avait le pain, il y avait le café, parce qu'on faisait la grosse casserole. Hein. Oui. On versait le café, il y avait les boulangers qui venaient livrer le pain en sac. Donc, tout ça m'a manqué. Je dis, tiens, comment je peux faire? Et donc, dans la paresse, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes restent dans cet esprit-là et n'avancent plus jamais. Oui. Mais... J'ai dû quand même me soustraire donc de cette situation qui était très difficile. Alors, et vous avez à peine 20 ans. J'avais à peine 20 ans. Et deux enfants à charge. Et laver même les habits de mes enfants, j'étais obligée d'aller chercher les herbes qui moussent. Parce que quand on prend cette herbe, on tire comme ça sort de la glaire. Et avec ça, on trempe les habits et on lave. Donc, je suis descendue jusqu'à ce niveau-là. Et puis, j'ai vaincu la peur, j'ai repris ma vie en main. Alors, vous reprenez justement... Et quand je reprends la vie en main, c'est comme un drame dans le village. Parce que quand je passe
il y a des gens qui sont curieux. Ah, ah bon, elle est encore là, elle peut même sortir. Ouais, il y a ceux qui la pitié, il y a ceux qui se disent, mais naissant, sa famille croyait qu'elle est déjà la reine-mère, et maintenant alors, donc, ça allait dans tous les sens. Donc, finalement, petit à petit, vous savez, quand le temps est très important pour la vie. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes, laissez le temps régler les problèmes que vous avez. Donc, au fil du temps, ça s'est dissous progressivement. Et puis, j'ai finalement vaqué définitivement. Oui. Alors, et vous allez effectivement considérer désormais votre travail comme... vous allez vous passionner pour votre travail. Voilà, et par chance, à l'époque... Tout pour moi. Oui, à l'époque, pendant que vous étiez mariée au chef, vous aviez quand même eu la bonne idée de poursuivre vos études. Idée, c'est le roi parce qu'il m'aimait. Oui. Qui m'a fait aller à l'école. À l'école. Et vous avez obtenu votre diplôme d'infirmière. Et donc, vous êtes recrutée à l'hôpital Adlutiem de Banka. Oui. Et c'est là le début de votre carrière de femme d'affaires, grâce à une rencontre. Oui. Celle que d'une. Je fais de là-bas. Voilà, vous faites Une dame. Oui. En fait, je deviens admiratif à la dame. Oui. Pourquoi? Parce que la dame, je voyais comment, avec tellement d'aisance, elle s'occupait de sa mère. Oui, qui était malade. Et vous étiez son infirmière. Voilà, qui souffrait d'une plaie actone. Je lui dis, mais comment moi je peux faire pour acheter le pain à mes enfants et ma mère? Je lui dis, mais cette dame vient de Douala, elle vient avec le poisson frit, le pain, la sardine. La semaine d'après, elle revient. Elle achète aisément les médicaments de sa mère. En fait, je la regardais toujours avec les mains croisées, je la regarde. Donc, je prends dans mon courage, je dis, mais madame, en fait, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle me dit, non, elle vend les vêtements. Je lui demande, vous avez une boutique? Elle me dit, oui. Je lui demande, quel type de vêtements? Elle me dit, non, je fais la ligne de Cotonou, j'achète les pagnes et que je revends à Douala, les boubous et tout ça. Alors, je m'intéresse, je lui dis, mais prochain voyage, on devient donc un peu amis. Elle venait tous les week-ends. Oui. Alors, je lui dis, mais est-ce que je ne peux pas être dans votre revendeuse? Revendeuse. Vous travaillez? Je lui dis, non, mais moi, je fais le service de car. Je commence à 7h, à 15h, j'arrête. Donc, tout l'après-midi, je peux parcourir la ville de Bafon pour proposer dans les boutiques vos habits. Donc, c'est comme ça qu'elle tombe d'accord. Et le prochain voyage, elle me ramène les vêtements. Oui. Et on fait un petit cahier. Et votre salaire de 500 francs? Cahier. Non, mon salaire de 500 francs chez elle. Oui, chez elle. Par jour. Oui, oui. 500 francs par jour. De vente. Oui. Donc, quand je vends deux vêtements aujourd'hui, j'enregistre un seul vêtement. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'à la fin du mois, j'aurai 15 000 francs, au moins. Et quelquefois, elle va me dire, vendez ça à 5 000, je suis à vendre à 6 000 ou à 7 000, etc. Et donc, désormais, mon rêve, c'était d'arriver à Cotonou comme elle. Et finalement, vous y arrivez. Finalement, j'y arrive. Oui. Alors, et votre premier voyage à Cotonou est quand même assez extraordinaire. Vous le faites par la route, par la mer. Risqué. J'ai fait au moins 2-3 voyages comme ça. Oui, c'est assez risqué quand même. Oui, presque clandestinement. En aventure. Oui. C'est en aventure. Oui. Beaucoup de Camerounais le font. Oui. Je ne suis pas la seule. Oui, mais pour une femme et une jeune fille, à l'époque, ça, c'était quand même un gros risque. Et donc, vous arrivez au Bénin On sortait à peine des maquis où les gens partaient comme ça, ils ne revenaient plus jamais et tout ça. Donc, je prends donc ce risque-là et je prends la voiture chez nous. Je vais jusqu'à Limbé, je vais jusqu'à Bikoko, jusqu'à Limbé. J'emprunte donc pirogue moteur. Je vais donc... jusqu'au Nigeria, à Lagos. De là-bas, j'emprunte le bus qui m'amène jusqu'à Sémé, la frontière entre le Nigeria et le Bénin. Et le Bénin. Et c'est comme ça que je me renseigne. Parce que comme je n'ai pas les papiers, je peux traverser la frontière normalement. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que je prends le bus qui va me laisser à Sémé. Parce qu'il y a les bus qui partent de Nigeria pour Cotonou directement. Pour le Bénin. Mais je ne peux pas parce que je ne suis pas identifiable. Oui, oui. J'ai pas vous êtes clandestine. Je n'ai pas de laissez-passer. Mais il y a aussi la voie pour les clandestins. Donc, c'est comme ça. Donc, de Sémé, on vous montre, vous passez par la brousse jusqu'à l'autre côté. De l'autre côté, vous trouvez les Imédjans qui vont vous amener jusqu'à Porte Nouveau. De Porte Nouveau, vous trouverez des Kékénans, d'autres types de motos qui vont vous amener jusqu'à Bénin. C'est comme ça que je suis arrivée au Bénin.
Et quand j'arrive au Bénin, c'était, mon Dieu, déjà, j'étais tellement surprise de voir que c'était les trous partout. Il n'y avait pas de route bitumée au Bénin à l'époque. On appelait d'ailleurs ça Cototrou. Cototrou. Cototrou, oui, parce qu'il n'y a pas de route bitumée. Ouais. Et même les policiers là-bas n'étaient pas armés. Ils avaient plutôt le bâton. Oui. Quand vous faites, vous montez, Mathieu, la moto, ils frappent. Donc moi, j'ai vu tout ça un peu là-bas. Mm. Moi qui venais d'ailleurs de Bafan, où la police était déjà modernisée. On avait même ce qu'on assez bien équipé. On appelait le sang, on avait le sang payé, le car, le bus, le car pour qui venait vous chercher quand vous êtes en infraction chez vous et tout ça. On appelait ça le sang payé. Donc, moi, j'étais très surpris de voir qu'à Cotonou, c'était le bâton et tout ça. C'est là-bas que je rencontre les dames de Lomé, dans la chambre, parce que nous dormions environ une vingtaine par terre, parce qu'il n'y avait pas de lit. Absolument. Les gens dormaient sur les matelas par terre ou sur la nappe. Dans une grande promiscuité. Oui, franchement. Oui. Dans un étage comme ça, vous avez une seule toilette où il faut faire la queue, attendre l'autre sort. C'était pas évident. Ouais. Donc, moi, j'évitais même de manger, pas seulement moi, même les autres. Mmh. On évitait de boire en fin de journée pour ne pas se lever la nuit, parce qu'il y a la queue et tout ça. Donc, même pour se laver, il faut se lever à 4 heures. Ouais. Donc, mais vous étiez là pour faire les affaires. Donc, vous restez entre le Bénin et le Togo pendant quelques temps pour faire des affaires. Dans la chambre, c'est dans la chambre que je rencontre les Togolais, qui eux aussi font du business, ils sont venus du Togo, parce que chacun raconte un peu son histoire. Tout à fait. Mmh. Donc... elles me disent, mais vous êtes venu du Cameroun avec combien? Je leur dis 80 000, j'ai déjà dépensé environ 12 000 et tout ça pour le transport. Ils me disent, non, vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun parce que vous n'allez pas vous en sortir. C'est mieux, vous ne pouvez même pas acheter les pailles. Donc, c'est mieux qu'on vous amène. Ils m'ont donc conduite maintenant au marché où on vend la friperie. J'ai donc acheté avec elles les chaussures pour enfants de friperie. Ils m'ont donc conduite chez eux à Lomé. Je ne sais pas si cette dame existe encore, si à travers la télé, comme ça, un jour, si elle me reconnaîtrait, je serais tellement contente et ravie de les revoir. Mais c'est vraiment de l'aventure. Hein. Vous allez au Togo, je vais donc vous ne connaissez personne. Au Togo, je ne les connais pas, j'habite chez eux, ils m'ont bien accueillir, je suis restée avec eux, ils m'ont amenée dans le marché, j'ai vendu mes chaussures pour enfants de friperie. On est reparti ensemble à Cotonou, on a racheté, j'ai fait plusieurs voyages. Au point où j'avais déjà 400 000 francs d'épargne. D'épargne entre Cotonou et Lomé. Alors, donc aujourd'hui, ce que je vais retenir comme une leçon, c'est que c'est la solidarité. Oui. Cette solidarité-là, aujourd'hui, on n'en retrouve plus beaucoup. On n'en retrouve presque plus. Parce que même partie du Cameroun jusqu'à Cotonou, si c'était aujourd'hui, peut-être même les gens auraient dû même me violer. Mmh. Parce que quand vous rencontrez même des gens en route, ils sont toujours des âmes de bonne volonté. Ils veulent vous aider, ils vous donnent des bons conseils. Ils vous disent non, mais même à Lagos, je voulais même changer tout l'argent que j'avais. Mmh. C'est la personne qui fait le change qui dit non, vous allez où? Je dis je vais à Cotonou. Il me dit non, changez seulement un peu parce que là-bas à Cotonou, ils ne prennent pas les naras. Donc, si vous changez et vous avez beaucoup d'argent, vous ne saurez quoi faire. Quoi faire que nous avec cet argent. Donc, vous rencontrez toujours des bonnes personnes. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et dans ce livre-là, dans cet ouvrage-là, cette autobiographie-là, j'essaie aussi de parler de comment est-ce qu'on peut reconstruire la solidarité entre les Africains et entre les Camerounais. Oui, qui fait défaut aujourd'hui. Parce que personne ne pourra nous aimer plus que nous-mêmes. Et l'Afrique va définitivement se construire dans la solidarité des Africains. Oui. Alors, donc, vous allez faire plusieurs autres voyages au Bénin. Cette fois, vous y allez par avion. Et comme vous aimez, vous êtes un peu crâneuse sur les bords, vous arrivez, vous brandissez votre billet d'avion en plein marché pour montrer aux gens. Mais je suis allée au marché, rencontrer toutes les femmes, que j'ai par avion pour mener. Mais c'est comme ça. Oui. Quand vous avez même un enfant chez vous à la maison qui revient avec 20 sur 20, et qu'il a vraiment travaillé à l'école, et qu'il n'a pas triché. Mais quand il a 20 sur 20, mais vous entendez les cris depuis le portail. Oui. Non, c'est en fait quand on a réussi par le travail. Mais il faut être fier de sa réussite. La joie est toujours différente. Oui. Parce que quand je dis que je suis une milliardaire, ça gêne certaines personnes. Est-ce que quand on dit que quelqu'un est professeur agrégé, ça gêne qui? C'est la même chose. Mmh. Parce que sur le plan du savoir, parce qu'on dit qu'il y a 5 pans dans la vie. C'est dans le livre. Mmh.
Vous avez le pan de du savoir. Quand on dit que quelqu'un a eu est professeur titulaire et est agrégé, ça gêne qui? Non, on en est fier. On en est fier. Oui. Quand on dit que quelqu'un sur le plan de l'art, des artistes, quand on dit que quelqu'un a joué au foot jusqu'à être comme étoffice, on n'en est pas fier. On en est fier, oui. Pourquoi quand on parle des milliards chacun des gens, quand on parle de l'art, de la foi, le pan de la foi, dans une famille, quand un prêtre a été consacré et qu'il devient évêque, mais je vois même les gens portent même les tenues pour aller fester. Pourquoi on ne festerait pas pour quelqu'un qui a des milliards? Oui. Alors, donc, vous allez démissionner, évidemment, de votre travail d'infirmière pour désormais vous consacrer au business. Oui. Et vous allez également laisser tomber un tout petit peu les voyages pour le Bénin, l'Espagne et tout ça, pour vous consacrer maintenant à une autre activité. Vous créez ce qu'on appelait à l'époque un circuit. Donc, vous fondez, voilà, à Bafoussam. Je rencontre deux jeunes là, photo. Oui. Photo. Et c'était deux photos. L'autre a décidé, même l'autre vie. Oui, oui. Photo, et donc, vous créez ce qu'on appelle à l'époque un circuit et qui s'appelait Chefanfan, qui devient très rapidement l'un des plus grands de la ville de Bafoussam. Oui, oui. Et donc là, vous faites beaucoup de rencontres qui vous permettent. Quatrième rue Ndjelenkat, je suis encore passée par là il n'y a pas très longtemps. Oui. Et cet immeuble est toujours là. Voilà. Ça n'a pas vraiment bougé. Donc. Après, vous laissez tomber le circuit. Cette fois, vous attaquez Yaoundé. Mais vous ne connaissez pas grand monde à Yaoundé. Vous arrivez à Yaoundé, vous habitez d'abord chez François Ndjelé. Papa Ndjelé, François, il est toujours dans la même maison. Il a été pendant longtemps président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Et donc, chez lui, vous êtes pratiquement sa femme de ménage. Et à côté de cela, vous continuez de circuler dans les ministères pour vendre les vêtements. Je dors en fait dans le sous-sol de sa maison, qui aujourd'hui, il a aménagé, il a fait des travaux. C'est devenu un peu... un petit salon pour des étrangers de la maison, mais à l'époque, c'était vraiment le sous-sol. Oui. Donc, j'avais ma petite couchette là, je dormais là. Oui. Alors, et donc, c'est pendant que vous êtes à Yaoundé, vous faites les allées des ministères pour vendre les vêtements, et vous dites, vous faites la rencontre de Ibrahim Bombondjoya. À l'époque, il n'est pas encore sultan. Alors, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était ministre de la jeunesse. Oui. Alors, comment se fait la rencontre avec lui? Parce que vous dites que c'est une rencontre qui a marqué votre trajectoire. Moi, je vendais les vêtements. Oui. Donc, je viens, je remplis l'audience. Et heureusement, lui, il avait les jours d'audience. Vous remplissez, vous êtes là 10-20 dans la salle d'attente. Oui. Et puis vous reçoit un après. Ah, vous avez rempli l'audience et il vous a reçu. Mais bien sûr, ce n'était pas comme les ministres d'aujourd'hui qui ne reçoivent pas des gens. Moi, j'ai rencontré tellement de personnalités à l'époque. Quand je parle dans cet ouvrage de M. Titi Pierre. Oui, Titi Pierre, directeur du budget. Directeur du budget. Mais moi, je ne le connaissais pas avant. Je suis allée remplir l'audience, lui présenter mes vêtements. En achetant une, deux fois, c'est là qu'il me propose aussi, si je ne peux pas aussi faire des fournitures de l'État. Et c'est là que vous entrez dans... Je rentre dans les fournitures. Dans les marchés publics. Dans les marchés publics. Vous commencez par quelques petits marchés, livraison des ordinateurs, d'abord les encres, le consommable. Moi, je ne connaissais pas ça. Oui. C'est comme ça que je rentre dans les marchés publics. Les marchés publics. Oui. Par M. Titi Pierre, qui est vivant, il le sait. Il n'était pas ministre à l'époque. Alors, Ibrahim Bombondjoya, quand il vous reçoit, perd son âme aujourd'hui. Je lui présente les pains. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je lui présente les pains. Il me demande, mais vous venez d'où? Je lui dis, voilà, je lui raconte un peu mon histoire. Je lui dis même que j'étais femme du chef. Oui. Donc, il est tellement admiratif. Je lui dis que oui, je connais même son père. Parce qu'à la chefferie Bana, il y avait la case qu'on appelait le Ndio Fuamo. C'est-à-dire la case du chef Bamoun. Je lui raconte donc toute cette histoire. Et donc, finalement, il est tellement admiratif de voir que vraiment, malgré tout ça, je me bats pour faire vivre mes enfants et tout ça. Donc, il me dit, donc, OK, première commande, il me commande, je crois, c'était 3 ou 4 boubous. Pour moi, c'est énorme. Ouais. J'ai dû même faire encore un autre voyage parce que je peux avoir 4 boubous dans mon sac. Pour aller à Cotonou, ramener ces boubous, il est tellement content. Il m'a mis en contact avec d'autres personnes aussi qui portent des gants d'oreilles. Et tout ça, je ramène tout ça de côté. Ouais. Après donc, les petits marchés de livraison, de consommables et tout, vous entrez maintenant dans le dur du business, vous fondez... Les BTP. Voilà, vous fondez une société de BTP qui s'appelle Franco et compagnie.
Et avec cette société, je commence par le cantonnage. Voilà, oui. J'apprends aussi, moi, j'aime apprendre. Et là, c'est vraiment j'ai le gros business. Oui. C'est comme ça, c'est du gros business. Oui. C'est là où je rencontre le ministre d'État, Kodok, père ascendant, qui est ministre des plans. On avait déjà, moi, j'avais commencé par le cantonnage, et puis à un moment donné, on devait sélectionner donc des entrepreneurs. Oui. Les entrepreneurs donc, qui devraient donc désormais prendre donc le relais parce que l'État à l'époque voulait privatiser les BTP. Et donc, ils reculent dans les entreprises camerounaises qui vont désormais remplacer les Blancs. Et j'ai donc eu le privilège d'être l'unique femme. Oui, la seule femme dans le secteur des BTP. Mais oui, à l'époque. Et comment même je me fais sélectionner? À l'époque, je n'ai pas de bureau. Oui. Je n'ai pas de bureau. Donc, je suis donc en train de demander comment je vais faire. Je rencontre un jeune monsieur de chez nous, de Bafin. Il est vivant. Hein? Il habitait à la cité verte là, mais il travaillait au ministère de la République. Il me conseille, il me dit, mais si tu n'as pas de bureau, ça va être difficile. Hein? C'est lui qui me dit, donc, il y a un Dachua. J'ai vu encore sa femme, son épouse hier, chez le professeur Tchawa. Il y a un Dachua qui a une bureautique à Nouvelle-Rue Bastos. Et si tu vas les voir, peut-être ils peuvent te prêter leur bureau. Le bureau, oui. Et c'est comme ça donc, que j'arrive, je rencontre donc M. Ndachua. Et sa femme, je ne les connaissais pas. Et M. Valentin. Et puis, je leur raconte dans mon histoire. Je dis que bon, je vais être contrôlée par l'Union européenne. Parce qu'à l'époque, c'est très sérieux. Oui. Je vais être contrôlée par l'Union européenne, les FED et tout ça, pour voir comment je suis installée à Yaoundé. Est-ce que vous pouvez me prêter votre bureau? Ils me disent pas de problème. Je dis, mais ils vont venir demain, ils me disent pas de problème. Et c'est comme ça donc, que je structure donc, tout de suite l'affaire. Je dis donc, OK, Valentin va donc être mon ingénieur. Sa femme que j'ai rencontrée encore hier, bon, c'est ma secrétaire. Et Tosh, Dachua, il s'appelle Tosh. Oui. Il est un ingénieur de travaux publics. Il va donc être donc mon ingénieur. Oui. Parce qu'on avait besoin de tous ces profils-là dans votre dossier. Alors, je vais donc à Avenue Kennedy. Faire une photo de vous. Faire une photo de moi. Je mets dans le cadre. Je viens. Il enlève sa photo. J'accroche le mien. Et donc, le lendemain arrive. Je débarque donc avec les gens. Je garde ma petite Golf. Alors, quand j'arrive, je dis bonjour. Bonjour. Il dit bonjour, madame. Je dis oui, voilà, je viens vous présenter mes bureaux et tout. On entre donc. Oui. C'est un bureau avec. Et il se comporte comme vos employés. Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr, je lui donne même les ordres, sa femme même apporte le café, bien sûr. Elle est vivante, elle dit, j'étais encore avec elle hier, quand elle me voit, elle éclate de rire. Donc, elle apporte le café et tout ça, le scénario était bien construit et tout. Elle apporte dans le café, elle vient nous servir à table. Les gens disent, non, mais ils sont pressés, on va prendre le café. Ils passent un peu avec Tosh. Je lui présente donc Valentin, qui est donc un ingénieur en électromécanique. Ils sont bluffés, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, tout ce personnel, vous les payez comment et tout. Je dis, mais je les paye par dette et tout, parce que justement, je voulais bien structurer mon entreprise, etc. C'est comme ça que je gagne mon premier marché de plus de 2 milliards de francs. Et ensuite, vous avez un problème d'engin et vous utilisez le même stratagème avec un monsieur qui a un garage d'engin. Babadi, qui avait un grand garage là-bas vers Lonkak, où il réparait les engins. Oui. Je vais là-bas, je rencontre donc... Monsieur Babadi, bon, lui m'a quand même demandé quelque chose. Babadi m'a dit non, pour faire ça, donnez-moi quand même quelque chose. Madame, j'ai donné 30 000. Je suis venu avec les Blancs, il dit bon, ça sont mes engins. J'ai dit, mais Babadi, on n'a pas encore réparé tel camion. Il dit non, madame, on attend la pièce, arrive demain. Après, on est parti et puis j'ai gagné les marchés. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien réalisé tous mes marchés. Mais vous avez aussi eu l'accompagnement de la coopération allemande qui vous a formé. Dans les... Non, ce n'est pas la coopération allemande qui nous forme. Oui. Ça, c'est l'Union européenne oui. qui nous forme. Maintenant qu'on est donc sélectionné, parce qu'il fallait d'abord faire passer cette étape-là pour être formé. Tout à fait. Maintenant, non, je passe dans cette étape et on doit nous former. On a donc été formé à l'école de travaux publics. Oui. J'étais encore là il n'y a pas longtemps pour former moi-même les jeunes ingénieurs. Mais à l'école publique, on a été formé à l'école des travaux publics. On a été formé là par les Blancs. Comment monter un DAO? Comment faire le sous-d'état de prix? Moi, j'ai appris tout cela à l'école des ingénieurs. Et on est sortis d'ailleurs avec des diplômes. Donc, c'est le BTP qui est le fondement même de votre fortune.
Oui, s'il faut le dire. Et c'est grâce au BTP que vous construisez l'hôtel Franco. Voilà, oui. Voilà. À un moment donné, je veux donc rentrer dans l'immobilier. Oui. Et puis voilà, je décide de construire l'hôtel Franco. Mais avant l'hôtel Franco, je vivais déjà où nous sommes là, chez moi, ici. Moi, je suis là depuis 30 ans. Oui. Je suis le plus ancien de quartier Bastos. Je vivais déjà là. Ça fait 30 ans que je suis là. Oui. Alors aujourd'hui, votre patrimoine pour ce qu'on sait, c'est l'hôtel Franco au Cameroun. Il y en a un autre en Angleterre. Et d'autres immeubles, je ne sais pas tous mes immeubles. Oui, et beaucoup d'autres immeubles. Voilà. Alors est-ce que vous avez, à combien vous évaluez aujourd'hui votre fortune? Je ne vais pas vous dire le montant. Oui. Tout simplement. À peu près combien? Non, ce n'est pas nécessaire. Les grandes fortunes disent souvent à combien on évalue leur fortune. Non, ce n'est pas nécessaire. Oui. Ce n'est pas nécessaire. Oui. Alors finalement, vous laissez tomber les BTP. Qu'est-ce qui vous a fait quitter les BTP qui ont pourtant consolidé la base de votre fortune? Ce qui m'a fait quitter les BTP, parce que finalement, en 2010, oui. À partir de 2009-2010, ce n'était plus comme avant. Maintenant, c'était devenu les arrangements. Les copinages, les règles n'étaient plus respectées. Et puis en 2012, moi, je vais en prison. Mmh. Et quand je vais en prison, j'ai le marché de Kumba, Mondemba, jusqu'à Ekondo Titi, c'était sur le plan triennal. Oui. Quand je vais en prison, je demande donc d'arrêter les travaux. J'écris au ministère pour dire que je ne pouvais plus continuer de travailler. Mmh. C'était à l'époque de ministre Obi Eta. Et donc, il m'accorda, donc, parce que j'avais déjà réalisé les travaux jusqu'à 86%, 87%. Oui. Donc, c'est comme ça donc, que j'abandonne les BTP. Mmh. Parce que désormais, je trouvais ça trop compliqué. C'était plus sérieux. C'était plus sain. C'était déjà trop mélangé. C'était déjà trop compliqué, en tout cas. Oui. Je vais citer Françoise Poinet, quelques personnes. Vous avez parlé de ces personnes-là dans votre livre. Et ce qu'on observe également dans votre livre, c'est que vous avez rencontré pas mal de personnes sur votre parcours. Et votre livre est même aussi, je me trompe peut-être, vous me corrigerez, une manière de rendre hommage à ces personnes-là qui, d'une façon ou d'une autre, ont croisé votre chemin, vous ont donné un coup de main. C'est un peu ça l'idée. Un conseil. Hein. Voilà. Je vais citer, et très rapidement, vous allez dire quelque chose sur chaque personne. Françoise Fonny. Ben, moi, je rencontre Françoise, maman Fonny. Moi, je ne l'appelle pas Françoise, mais appelle maman. Oui. Je la rencontre parce que je vais à Douala. Je suis toujours en train de me chercher. Je vais donc à sa maison, je me présente. Et puis, elle m'accueille. C'est une maman très accueillante, elle s'apporte à tout le monde. Et c'est comme ça que je dors chez elle, au salon, hein, par terre. Parce que ses enfants dormaient, ils sont toujours là. Hein. Moi, je connais, j'ai gardé... que ce soit la femme de mon enfant, que ce soit tous les autres, on se connaît très bien. Moi, le matin à 4 heures, elle s'est levée, elle a trouvé sa maison transformée. Vous avez fait le ménage. J'ai brossé la roue, lavé sa voiture, tout nettoyé, elle était impressionnée. Elle demande qui a fait ça. J'ai dit, maman, c'est moi. Elle me dit, comment, tu n'as pas dormi? J'ai dit, maman, j'ai dormi. Je me suis levée très tôt. Et quand elle me demanda, quand elle me posa cette question, tout le monde dormait encore, parce qu'elle s'est levée très tôt, vers 7 heures. Donc, il m'a trouvé assis là au salon. J'avais déjà nettoyé toute sa maison. J'étais assise. Oui. Et donc, depuis lors, elle m'avait adoptée. Oui. C'est comme ça qu'elle m'a inscrite au GFA. Je suis restée jusqu'à très récemment où on ne s'est pas bien entendu avec ceux qui ont repris les rênes du GFA. Et puis, je suis partie du GFA. Le GFA, c'est le groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Oui, j'étais la première vice présidente nationale. Est-ce que politiquement, vous aimeriez ressembler à Mme Fonny? Est-ce que vous voulez être la nouvelle Mme Fonny? Non, parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions. Les mêmes tempéraments aussi, peut-être. On n'a pas les mêmes tempéraments, les mêmes ambitions. La façon de faire, ce n'est pas la même chose. Oui. Une autre personne que vous citez dans votre ouvrage, et abondamment d'ailleurs, Kadji de Fotso. Oui, à qui j'aimerais ressembler. Oui. Parce que c'était un patriarche vraiment exceptionnel, charismatique. Vous avez eu des rencontres avec lui. Racontez-nous une anecdote avec Kadji de Fosso. L'anecdote qui me fait souvent rire, vraiment, que son âme repose en paix, c'est quand je vais chez lui ici à la maison, là derrière, parce qu'il habite sa maison, de Yaoundé est juste derrière ma maison ici, et il me remet une grosse enveloppe de 2 millions de francs. À l'intérieur, c'est les 2 000, alors que j'attendais 80 millions de lui. Et quand je vais ouvrir l'enveloppe, sa femme me dit, « Maman Kadji, elle est là. » Elle me dit, ah oh, oui, il y a d'autres choses. Est-ce que c'est un prêt? C'est un cadeau? C'est un don? Va ouvrir l'enveloppe chez toi.
Bon, je sors un peu timidement et dans ma voiture, je m'empresse donc d'ouvrir l'enveloppe. Je vois donc que c'est 2,5. Je veux même m'arrêter comme j'étais avec ma fille dans la voiture, on sortait de l'église. Elle me dit, hé hey, maman, on t'a dit que c'est le cadeau. Arrive à la maison, vérifie tout ça. Tu vas commencer à garer la voiture pour fuir l'argent en route. Parce que je me pressais, je voulais comprendre que c'est combien. Donc, quand j'arrive même ici à la maison, ma fille, je dis à ma fille que je vais aller rendre. Ma fille me dit, comment tu pars rendre? Quelqu'un te donne quelque chose pour rien. Tu pars rendre pour quoi? Voilà, donc, c'était un papa très... Et il vous a dit qu'il n'est pas votre banque. Très charismatique. Oui. Il m'avait dit ça, mais je ne suis pas votre banque. Oui. Allez voir la banque. La banque pourra vous prêter l'argent. Alors, et Victor Fotso? Lui, c'est un personnage assez différent. J'ai appris des techniques que j'applique encore jusqu'à aujourd'hui de lui, telles que, il me dit un jour à l'avion, il me dit, ma fille, tu sais, je dis non. Il me dit, les gens pensent que Fotso est très riche. Fotso aussi est très endetté. Vous savez quel est mon secret? Je dis non, papa. Il me dit, moi, je suis honnête. Quand l'échéancier de la banque arrive, si je ne peux pas payer mon banquier, je l'appelle. Il me dit, chaque fois, si vous avez un problème avec quelqu'un d'argent, quand l'échéancier arrive, signalez-vous avant l'échéancier. Quelle que soit la personne, il va s'apaiser. Oui, il comprendra. Il comprendra. Il me dit, ma fille, il y a deux choses qu'il ne faut jamais s'amuser avec dans la vie. Il me dit, moi, je ne cherche pas les femmes des gens. Je ne regarde pas les biens des gens. Je regarde mes biens. Je ne regarde pas les biens des autres. Et je ne regarde pas les femmes des autres. Et ce sont des enseignements tellement puissants. Oui. Tellement puissants. Et la troisième chose qu'il m'a dit, ça qui m'avait été déjà dit très souvent par mon père, c'est que chaque fois que quelqu'un vous a rendu service, que quelqu'un vous a aidé, dis-lui merci quand il est vivant. Je lui dis, papa, mais mon père aussi me disait souvent ça. Il me dit, il faut respecter ça. Votre père vous a bien éduqué. Entre autres, il m'a tellement dit des choses, mais ce sont des choses vraiment clés que j'ai retenues et qui me servent encore jusqu'aujourd'hui. Et enfin, le professeur Augustin Kontchou Koumenyi. Le fameux mon compagnon. Oui, oui. On a passé de très bons moments dans la vie. C'est pour ça que j'ai dit dans l'ouvrage que si je devrais faire un ouvrage comme ça pour parler de professeur et moi, je pense que ça peut être 10 000 pages. Waouh! Vous avez vécu de si belles choses que ça. De si belles choses. Parce que dans la vie, il n'y a pas que de belles choses. Il y a eu des hauts et des bas. Oui. Mais je suis allée dedans. J'ai extrait la partie essentielle qui aujourd'hui reste très tabou. Oui. Parce que les gens se demandent, est-ce qu'on est encore ensemble? Est-ce qu'on s'est séparé? Est-ce qu'on était marié? J'ai clarifié un peu cette partie-là dans l'ouvrage qui reste quand même très intéressant au regard des Camerounais. Mm-hmm. Je ne suis pas allée plus loin que ça parce qu'on parlait de 286 pages. Je ne pouvais pas réserver ça seulement pour parler des relations amoureuses. Est-ce qu'il a lu le livre déjà? Je ne sais pas. Je sais pas. Vous lui avez pas envoyé un exemplaire Non, pas encore. Je ne lui ai pas envoyé, mais il peut s'en approprier. Le livre se vend. Non. Alors, dans votre livre, vous évoquez un triste épisode. Vous en avez parlé tout à l'heure de votre vie, de votre trajectoire. C'est lorsque vous allez en prison. Et le ton que vous utilisez dans l'ouvrage pour parler de cet épisode de votre vie est assez triste. Hein, c'est dur. Vous vivez quand même quelque chose de terrible. C'est dur et c'est dommage. Est-ce que vous avez cru que quelque chose allait s'écrouler au moment où vous êtes allé en prison? Mais bien sûr, oui. Puisque j'ai même failli me donner la mort. Oui. Nul n'aurait été l'intervention des médecins et autres. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide parce que c'était un mur qui s'était écroulé sur moi. Mmh. Je ne savais pas où je me trouvais. C'est comme un conte de fées, un conte d'Ali Baba, où un matin, vous sortez de votre maison et vous vous retrouvez en prison. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes en prison. Vous restez 13 mois et vous sortez de la prison. On vous garde l'épée de Damoclès sur vous pendant 9 mois, pendant 9 ans. Donc, ce fut quand même des périodes un peu spéciales dans ma vie. Oui. Mais j'ai gardé la force et la foi, la confiance en moi, de croire qu'ils ne peuvent pas me vaincre. Quand je dis aux gens que
j'avais cette épée de Damoclès sur mes épaules jusqu'en 2021. Les gens ne réalisent pas cela. Oui. Parce que c'est-à-dire qu'il y a eu. Les gens ne pouvaient pas imaginer. Sur le plan judiciaire, c'était assez. Que je suis jugée au pénal tous les mois et que je me présente au tribunal tous les mois et que je reviens aisément mener mes activités. Personne ne pouvait le croire. Mmh. Mais j'ai gardé la foi en moi, la confiance en moi, la détermination. Est-ce que cela vous a... parce que quand on lit également, on a le sentiment que vous avez une dent un peu dure contre le système judiciaire en général. C'est ça? Ce n'est pas ça, puisque à la fin... Oui. Puisqu'à la fin, j'ai été libérée, non? Oui. Ça, et j'ai été libérée pourquoi? Parce qu'en effet, j'ai eu confiance en la justice. Juste dans un premier temps, j'ai bénéficié d'un ordonnance de non-lieu. Dans un deuxième temps, j'ai été acquittée pour des faits non seulement brûlesses, iniques. Et dans un dernier temps, le tribunal n'a même pas reçu la requête du procureur général 9 ans après. Ouais. Donc, je ne peux pas dire que tout a été mauvais en ce qui concerne les juges, puisque de toute façon, ils m'ont rendu justice. Dans cette partie de votre livre, vous manipulez quand même... les termes du droit et tout, je me dis, mais Mami Nyanga... Parce que ce que j'ai appris essentiellement à la prison, oui. J'ai appris 2 choses à la prison. Oui. C'est le droit. Le droit. J'ai lu, je connais le code de procédure pénale en cœur. J'ai connu Dieu en prison. Je connais tous les versets de la Bible. Parce que j'ai connu Dieu en prison. J'ai connu ces 2 choses essentielles qui aujourd'hui... Complètement, ça a transformé ma vie à plus de 90%. Oui. Parce que quand, peut-être dans certaines parties de livre, vous voyez, par exemple, dedans, quand je décris la justice, je dis par exemple que je n'ai pas été arrêtée, j'ai été kidnappée. Oui. C'est un enlèvement. Effectivement, vous dites dans votre ouvrage que vous ne parlez pas d'interpellation, mais d'un kidnapping. C'est un enlèvement. Oui. Parce que dans le code de procédure pénale, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un à Yaoundé et le transférer à Douala. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas se faire. C'est le procureur de ta circonscription qui juge l'opportunité de ton transfert. Je n'ai pas bénéficié de cette mesure. Je suis allée en prison dans un premier temps. C'était le faux et usage de faux. On a dit que j'ai imité la signature et que je suis l'armoirie de l'État. 3 semaines plus tard, on a requalifié les faits. On a parlé maintenant de complicité de corruption. Et dans cette complicité de corruption, le seul indice que le parquet a dans l'affaire, c'est la covillageoiserie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le parquet crée un code nouveau en ce qui me concerne dans cette affaire. Parce qu'il n'est écrit nulle part dans le code de procédure pénale la covillageoiserie. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est établi que j'ai corrompu X agent fonctionnaire parce qu'il est mon co-villageois. Alors qu'on a l'article 131 bis du code de procédure pénale qui est clair. Le corps des délits, c'était quoi? Une promesse, un don à qui ou comment? En matière de corruption. C'est clair. Et en ce qui me concernait, le parquet m'inculpe en balayant de revers de main l'article 131 bis et crée un code nouveau qui est dans la covillageoiserie, qui n'est écrit nulle part. Mais oui. En tout cas, la prison vous transforme. Quand vous sortez de la prison, vous créez carrément une fondation et votre première action... Parce que j'ai touché... Oui. Parce qu'à la prison, j'ai touché de doigt les difficultés des personnes en milieu carcéral au Cameroun. Oui. Et je me suis rendu compte qu'ils ne perdent pas seulement la liberté, mais ils perdent la dignité, ils perdent l'humanité. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette fondation pour venir en aide aux anciens camarades, comme je les appelle, que j'ai laissés là-bas. Et votre première action, ça a été à Newbel. La première action, c'était à la prison de Douala. Newbel, oui. Dans une prison qui a été construite pour
800 personnes qui aujourd'hui engorgent environ 5000 personnes. C'est une catastrophe. C'est de l'indignation. C'est inhumain. Moi, j'ai vécu. Oui. Maintenant que vous êtes au Sénat, peut-être que vous allez proposer. Pourquoi pas, on va bien entendu, voilà. Je ne fermerai pas complètement l'œil là-dessus. Très bien. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette émission. Françoise Pouinet, on va évoquer votre avenir, les actions que vous menez en ce moment, les masterclass que vous organisez. Vous avez récemment mené, une activité avec les femmes de la briqueterie et tout ça. On va revenir là-dessus. Mais toutes les jeunes filles musulmanes. Très bien. Alors, avant de parler de ça, évoquons quand même quelque chose, c'est quelles sont, selon vous, les qualités qu'il faut avoir si on veut entrer dans le monde des affaires et surtout y réussir? Ce qu'il faut avoir oui. Dans un premier temps, c'est de ne pas se faire découvrir tôt. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans les affaires, il faut d'abord, c'est ça que je dis dans le livre, l'isolement économique. Absolument. Il faut s'isoler économiquement. Parce que les jeunes aujourd'hui ne réussissent pas, parce qu'ils ne s'isolent pas. C'est-à-dire, dès qu'ils entreprennent un business, ils rentrent dans la vie associative et active. Et toute l'économie qu'ils réussissent à faire dans ce business-là, ils réinjectent cette économie dans la vie associative, dans la vie de la société. Mmh. Donc, pour des personnes, moi, j'ai réussi parce que je me suis isolée pendant un temps pour construire bien le capital. Donc, si vous ne vous isolez pas, vous n'allez pas construire solidement votre capital. Et par conséquent, vous ne pouvez pas devenir riche. Ce ne serait pas possible. Et la deuxième chose que je vais dire, c'est l'honnêteté. C'est un facteur fondamental. Parce que même les bailleurs que j'essaie aujourd'hui de former dans les marchés, 80% ne réussissent pas parce qu'elles sont malhonnêtes. Quand vous avez un cajou de tomates, arrangez-vous à avoir les cajots des petites tomates, les cajots des grandes tomates, les prunes pourries, les prunes non pourries. Et vous pouvez expliquer à vos clients. Mais elles mettent les tomates pourries en bas en et puis elles mettent les au-dessus. C'est pas bon. Ouais. Ça, c'est la malhonnêteté. Elle ne peut pas réussir avec ça. Parce qu'elle ne peut pas fidéliser la clientèle. Oui. Quand je vais dans les marchés, je demande à une femme, je dis, mais vous vendez depuis combien de temps? Elle me dit, depuis 30 ans. Je dis, mais il faut arrêter. Vous ne pouvez pas être bailleur seul en 30 ans et être au même comptoir, ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous n'avez pas été capable de fidéliser des gens qui, de leur maison, peuvent vous appeler, de venir les livrer parce qu'ils ont eu confiance. En fermant les yeux. Parce qu'ils ont eu confiance en vous. Mmh. Des clients, quand ils arrivent au marché et que vous ne vendez pas les ananas, ils vous confient l'achat de leurs ananas parce qu'ils ont confiance en vous. Tant que vous n'arrivez pas à ce niveau, à ce seuil-là, vous ne pouvez pas vous développer. Et pour arriver à ce seuil-là, unique chose à faire, l'honnêteté. Si vous êtes honnête, mais les gens reviennent. Ils vont et ils reviennent. Ils vont même conseiller des gens d'aller vous chercher. Ils vont vous donner vos coordonnées. Quand vous êtes au marché, cherchez Mamie Yanga. Parce que ces tomates sont toujours grosses jusqu'en bas. Parce qu'elle pense gagner de l'argent, mais elle ne gagne pas l'argent. Mm. Parce que quand, par exemple, vous mettez les petites tomates en bas et les grosses en haut, quand je vais arriver chez moi, je vais me rendre compte que c'était les petites et les grosses. Pourtant, je peux avoir un panier de grosses tomates, un panier de petites tomates. Et quand vous venez, je vous dis, ce panier-ci, il coûte 3 000 parce que c'est des petites tomates, parce que c'est des tomates cassées. Celles-ci coûtent 10 000 parce que ce sont des grosses tomates de haut en bas. Et vous achetez en toute connaissance de cause. Oui. Donc, l'honnêteté est cardinale lorsqu'on fait des affaires. Cardinale quand on fait des affaires. Mm. En ce qui vous concerne aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous avez déjà atteint votre plafond de verre ou alors vous avez des projets qui peuvent encore vous permettre d'étendre votre patrimoine? Monsieur Bruno Tani, je suis en chantier tous les jours. Oui. Comment je vais arrêter de travailler à peine 50 ans? C'est pour aller où? Aller m'asseoir au Sénat? 3 mois sur l'année. Je suis en chantier tous les jours. Je suis en chantier sur le plan humanitaire. Comme vous le savez bien, la semaine prochaine,
je vais par exemple à Bamenda. Voilà, parlons justement de l'humanitaire vous, ou alors des formations que vous faites. Vous avez décidé récemment, ça c'est l'un des derniers projets que vous menez en ce moment sur le plan social, c'est de former les jeunes femmes musulmanes. Alors pourquoi cette cible-là, les jeunes femmes musulmanes de Yaoundé, c'est pour faire quoi? Les jeunes femmes mères. Oui. Parce que les jeunes femmes mères sont une cible spéciale. Parce qu'elles vont en mariage à 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mmh. Et elles divorcent à 80% avant 20 ans. Et quand elles divorcent, elles ont minimum 3-4 enfants. Et elles rentrent chez leurs parents avec les 4 enfants. Mais c'est une catastrophe. Elles rentrent dans une proximité qui n'a pas de nom. Et tout ce qu'elles savent faire, parce qu'elles n'ont rien appris, tout ce qu'elles savent faire, c'est la prostitution. Et donc, vous les formez à quoi aujourd'hui? À l'aide sur les réseaux sociaux. Oui. Par exemple, celles de Yaoundé ont été formées sur le réarmement moral par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civile. Oui. Le mindset, travailler sa tête, l'intelligence financière, le développement personnel, la force de vente, le leadership. Elle a fait comprendre que demain, elle aussi, elle peut être même le super-maire de la ville de Yaoundé. Et pour ça, il faut qu'on crée, qu'on construise cette confiance en elle. Et à la suite de ces formations, on a formé aussi les femmes sur les activités régénératives de revenus, telles que la fabrication de teintures, comment faire une, comment teindre les tissus, comment faire la couture, les initier. Et aujourd'hui, on est en train de les incuber sur une période de 4 mois. Et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique m'a annoncé une très bonne nouvelle. Il va financer 20 de ces jeunes filles. C'est formidable. Et ensuite, si on pouvait faire ça sur toute l'étendue du territoire du Cameroun, je vous assure, on peut transformer pas la vie, mais on peut transformer la mentalité. La mentalité. Oui. Et ça, si on réussit à transformer la mentalité, eh bien, on peut aussi bien relever les défis de l'économie sociale. Oui. Vous irez aussi à Bamenda dans le cadre de cette formation également, je crois. Oui, oui. Dans quelques jours, on ira à Bamenda pour former les femmes. Mais là-bas, sur l'activité régénératrice de revenus, on va former les femmes sur toute la chaîne de valeur. Oui. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Françoise Pouéné, Mami Nyanga, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous arrivons à la fin de cette émission. Juste le temps de présenter quelques ouvrages qui nous ont permis de préparer cette émission. Il y a votre livre « Itinéraire d'une débrouillarde devenue milliardaire ». Que je conseille Oui, il coûte 5 000 francs. Non, aujourd'hui, il coûte 10 000. 5 000, c'était pour le lancement. Oui. L'ouvrage, aujourd'hui, coûte 10 000 francs. Que je considère aux uns aux autres d'acheter et de le considérer comme leur Bible. La Bible, l'itinéraire, oui. La Bible. Très bien. Voilà. Donc, il y a cet ouvrage disponible dans toutes les bonnes librairies, à la librairie des Peuples Noirs et dans toutes les bonnes librairies, sorti aux éditions Éclosion. Il y a cet ouvrage de quelqu'un, je ne sais pas comment vous avez fait pour qu'il vienne à la dédicace de votre livre, c'est le professeur Ebenezer Ndjomwele qui a fait un témoignage de sa lecture. Il a lu votre livre, il est venu en parler et il a écrit cet ouvrage dans les années 80, sorti aux éditions Clé, qui s'appelle « Développer la richesse humaine ». Vous en avez parlé tout à l'heure, qu'il n'y a pas que le matériel, l'argent ne fait pas le bonheur, disiez-vous, même si mon seul problème aujourd'hui, c'est l'argent. Hein. Voilà. Donc, d'argent, vous ne parlerez pas avec l'argent. Voilà, donc développer la richesse humaine, effectivement, le professeur Ebenezer Ndjomwele dans cet ouvrage pense que la richesse, elle est aussi dans les valeurs, elle n'est pas que matérielle. Très bon livre et sorti. Et dans les valeurs, c'est plus important. Voilà, il a également publié un livre que tout le monde connaît, De la médiocrité à l'excellence. Alors, je ne sais pas si vous l'avez connu, il est aujourd'hui décédé, Jean-Samuel Nochongwen, l'une des plus grosses fortunes du Cameroun, à la mesure de mes pas. Vous l'avez connu, Jean-Samuel? Je le connais très bien, j'étais même à ses obsèques. Oui. Je connais bien Papa Nochongwen. Oui. Oui, Dieu merci, il a laissé à la postérité cet ouvrage « À la mesure de mes pas » où il raconte comme vous son parcours. C'est vraiment des histoires qui ont des points similaires et tout. Donc voilà, des gens qui partent de rien pour devenir de très, très grosses fortunes. Très peu de Camerounais le connaissent, oui, mais
Il a laissé quand même un livre à la postérité que je vous conseille vivement, à la mesure de mes pas, Jean-Samuel Nochongwen. Alors, il y a cet ouvrage, lui, ce n'est pas un homme d'affaires, c'est un jeune, Yannick Achille Fournier, Fondement du capitalisme africain et réforme monétaire. C'est un ouvrage qu'il a publié il y a quelque temps dans lequel il parle effectivement des fondements du capitalisme africain et de la réforme monétaire qui est un gros problème aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer en Afrique ? Et la façon de penser, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'intervention du professeur Messanga Nyambine. Oui, le professeur Messanga Nyambine qui était à la cérémonie dédicace de votre livre. Il a fait une lecture sociopolitique de votre livre. Mais aujourd'hui, on parle de Bayam Salam. C'est écrit dans quel dictionnaire? Oui. Oui. Aujourd'hui, il y a Taxi Moto, c'est écrit dans quel dictionnaire du monde. Voilà. Donc, il pense donc qu'il faut refaire donc, l'économie africaine. Absolument. Donc, lis ce livre de Yannick Achille Fournier, Fondement du capitalisme africain et réforme monétaire. Et enfin, ce magnifique livre de Denis Brunel, Le crépuscule des héritiers. Alors, c'est un ouvrage dans lequel il parle des fortunes en France. Vous savez, la plupart des fortunes en France sont familiales. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des sont des héritiers. Vous savez, voilà. En France, la France, l'Occident sont des vieux pays. Oui. Donc, on ne fait plus de nouveaux riches. Voilà. Donc, ce sont tous pratiquement. Chez vous, le boulevard ouvert, on peut davantage construire des nouveaux riches. Voilà. Donc, en France, il a mené une enquête et il observe que la plupart des fortunes, elles sont familiales, sont des héritiers, mais il estime que les héritiers n'arrivent plus à tenir vraiment le rang de toutes ces entreprises. Même au Cameroun. Au Cameroun, c'est la même chose. Chaque fois qu'un capitaine d'industrie décède, il part pratiquement avec tout. Je pense que c'est l'objet d'un autre entretien qu'on aura une autre fois pour essayer de comprendre pourquoi nos fortunes ne survivent pas à ceux qui l'ont créé. Et je vous donnerai les recettes. Très bien. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. De discuter avec une milliardaire. Voilà, en face. Oui, ouais. Très bien. En tout cas, voilà. Le rêve de tout un continent. Très bien. Merci. Merci, Mami Nyanga, de nous avoir reçus pour cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission, Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre.